Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. C'est l'examen national 2020, session normale. Bon, pardon. Exercice 1, soit P et Q de nombre, nombre premier, vérifiant P inférieur à Q. I, 9 puissance P plus Q moins 1 congru à 1 module PQ. La première question, la solution A, montre que le BGCD de P et 9 est égal à 1. C'est-à-dire, on montre que le nombre P et 9 sont premiers entre eux. Bon. On a 9 puissance P plus Q moins 1 congru à 1 module P. La puissance P plus Q moins 1 est égal à 1 plus PQ H. Bon, soit P égal. Donc, bon, on va montrer que P est égal à 1, soit D est égal à BGCD de P et 9. Donc, D est positif et D divise P et D divise 9. Bon, cela implique que D divise P que H et D divise la puissance. Moins 1. P est premier et Q supérieur à P. Donc c'est P premier et supérieur égal à 2. C'est donc le nombre premier positif. Et le supérieur à 2. Donc Q supérieur à 2. Alors cette expression du plus Q moins 1 est supérieur à 1. Donc 9 est supérieur. P plus Q moins Z supérieur 9 puissance 1 qui est supérieur donc à 9. Bon, cela implique donc que tu divises 9 puissance Q moins 1 moins P que H. Cela implique, bon, cette différence n'est rien d'autre que 9 puissance P plus Q moins 1 moins P que H n'est rien d'autre que 1. Alors, P divise 1, donc P divise 1, car D est positif, il divise 1, donc la subdivision de 1 c'est 1, alors D est égal à 1. Donc, le BGCD de 9 est égal à 1. Bon, la question B, déduire. Que, on va déduire que 9 et 1 puissance Q est égal à 1 module P. Bon, on a P et 9, le plus de fin est égal à 1. Donc, P ne divise pas 9. Et comme P est premier, donc, d'après le théorème de Fermat, donc, d'après le théorème, de Fermat. Bon, 9 puissance P moins 1, c'est le congru à 1 module P, d'après Fermat. Bon, pour l'autre, pardon,
C'est comme... Et comme là, puissance plus plus U moins A, je prends le rang du Q. Alors là, puissance plus plus moins A, je prends le rang du Q. Et là, il glisse plus Q. Sur le Q, plus 9, puissance plus plus moins A, puissance plus moins A. Comme la puissance P moins 1 de préférant et comme grand modulé P, donc on aura la puissance P moins 1 de préférant et comme grand modulé P. Cela implique que la puissance Q, pardon, et comme grand modulé P. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà la question suivante. 2. La question 1 montre que les années sont premiers entre eux. Bon, soit D est égal à P moins 1 et Q. Donc, D est positif, D plus P moins 1 et D est positif. Comme D est positif, on utilise le théorème du biseau, je montre que P est égal à 2.
ciseaux. Et tu gardes la tête. Bon. On a. Plus loin de ça. Et puis son premier entre eux. Donc. D'après. Le QRM. D'après le terme du museau, pardon, il existe un complicule UV, un complicule plus que V égale à 1. Pardon. Bon, d'après le théorème du Guizot, il existe le couple UV, un couple UV appartenant à cette paire, U2, U moins un U, plus UV, est égal à 1. Le code Q puissance, pardon, 9. Tu montres un code de la magnitude. I 9 puissance du de la magnitude. Bon. Alors, la puissance U moins 1, puissance U, et quand on a la puissance U, et 9, puissance Q, puissance V, puissance V, donc U, V. Cela implique que 9, puissance V moins 1, pardon, et 9, puissance Q, V. En faisant le produit, moi va prendre 9 puissance U moins 1 U, multiplié par la puissance UV, et quand on vient à 1, 1 multiplié par 1, pardon, donc du UV. Et si. Bon, si U est négatif, on part de l'inverse. Donc Q, 9 puissance P moins 1 puissance U, c'est l'inverse du 9
puissance P moins 1 moins U. La même chose, c'est V négatif. De le cas, l'un, U, V négatif, on parle de l'inverse de l'autre, car on peut, nous avons le droit de parler de l'inverse, car P est premier, donc Z sur P, Z est encore. Alors, chaque élément de Z sur P, Z admet un inverse. Bon. Bon, ici 9 puissance P moins 1 multiplié par 9 puissance P moins 1, c'est le produit de puissance de mes bases. Donc, ça implique que 9 puissance P moins 1 U plus QV est conduit à 1 moins QV. Cela implique que 9, pardon, P moins 1 U plus QV est égal à 1 d'après le théorème de Guizot. Cela implique que 9 égale à 1 moins QV. Cela implique que 9 moins 1 égale à 1 moins QV. Cela implique que P, 9 moins 1 sur 8, bon, c'est du 8P. Bon, cela implique l'ensemble des divisions de 8 qui sont positives sont 1, 2, 4, 8. Et comme P est premier, le seul nombre qui est premier parmi les éléments 1, 2, 4, 8 et 2. Et comme P est premier, alors P est égal à 2. Donc on va montrer que P est égal à 2. Bon, notre question. Notre troisième question. En utilisant le théorème de Fermat, montrons que Q ne divise pas 9. Soit
égal au multiple du 9 et Q. Donc, D1 est positif et D1 divise 9 et D1 divise Q. Alors, D1 divise 9 puissance plus du suivant. Et D1 divise plus Q. Cela implique que D1 divise 9 puissance plus du suivant. Moins Q. Bon, on va noter un H séparant. On a déjà signalé, pardon, on a déjà eu comme 9 puissance plus Q moins 1. 9 est également 1 plus PQH. H appartenant à N, on a déjà cette égalité. Bon, D divise, alors, D divise 9 puissance plus Q moins 1, et D1 divise Q H, car c'est la multiple de Q. Q1 divise 9 puissance plus Q moins 1 moins QH. Cette différence n'est rien d'autre que 1. Bon, cela implique Q1 est égal à 1. Car T1 est positif. Car les divisions de 1 sont 1 et moins 1. Donc T1 est positif, alors T1 est égal à 1. Donc, Q et 9 sont premiers entre eux. Alors, Q ne divise pas 9. Q ne divise pas 9. Et comme Q est premier, donc, d'après le théorème, je ne vais pas, d'après le théorème du Fermat, 9 puissance Q moins 1 est corrélé à un moment de Q. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà la question suivante. Dites-leur que Q est égal à 9. Bon, on a 9 puissance de plus Q moins 1 qui conclut à 1 moins Q.
sur l'article 9, au sens 2. Car 8 égale à 2. Et comme 9 au sens que moins incongru à un module 9, alors 9 au carré, 8 égale à 9, et quand on a un module 8, c'est ainsi. 9 au carré, moins 2, c'est congru, pardon, c'est congru à un module 8. 9 au carré, c'est 81 moins 1, c'est 80. U divise 80. Bon, cela indique que U appartient à l'ensemble des éléments 1, 2, 4, 8, 10. Bon, il y a 5, je vais dire 5. 8, 16, pardon. 16, 20, 40, 80. Bon, 80 est égal à 8 multiplié par 10, donc puissance 4 multiplié par 5 est égal au nombre de divisé de 6, 4, plus 1 multiplié par 5 multiplié par 10. Bon, les divisions de 80 sont. Au nombre de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, les divisions sont de 80 sont tous figurés ici. Bon, on a Q est un nombre premier, donc il est égal à 2 ou bien 5. Comme Q est supérieur strictement à P, alors P est supérieur strictement à 2. Cela implique que Q est égal à 5. Et quand Q est supérieur à partir de Q est égal à 2, ou Q premier, alors Q est égal à 5. Et si le seul nombre qui est premier est supérieur à 2, si c'est 5. 1 n'est pas un nombre premier, 4 n'est pas un nombre premier, 8 n'est pas un nombre premier, 10 n'est pas premier, 16 n'est pas premier, 20 n'est pas premier, 40 n'est pas premier, 80 n'est pas premier. Donc les deux nombres qui sont premiers sont 2 et 5. Comme Q supérieur à 2, supérieur à P, P est égal à 2, alors Q supérieur à 2. Donc il reste Q est égal à 5. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.